Saint-Étienne, c'est une ville où il fait bon vivre, d'ouest en est, du nord au sud. C'est une ville citoyenne et solidaire. C'est comme ça que je la définirais. J'ai vite apprécié les efforts qui étaient faits pour le sport, l'éducation des jeunes, les personnes âgées dont je suis un représentant maintenant. Pour moi, Saint-Étienne, c'est une ville où il se passe beaucoup de choses, où les Stéphanais sont facilement intégrés en fait, au projet de la ville. On peut le voir sur des fêtes comme la fête au château, par exemple, ou la fête du Sud dans le quartier de la Houssière. Il y a plein de choses à faire, il y a des centres sociaux, un rive gauche, il y a plein d'activités, on s'ennuie pas. C'est une ville qui propose en fait diverses choses pour les jeunes aujourd'hui, dans tous les services, que ce soit au service enfance ou au département jeunesse. Saint-Étienne-du-Rouvray, il y a 15 ans, n'est plus le même Saint-Étienne aujourd'hui. Je manque de rien sur Saint-Étienne. Je suis à deux pas des commerçants, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis très sensible au fait que ce soit une ville fleurie, etc. Et je suis très contente de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est une jolie ville, je trouve. Saint-Étienne-du-Rouvray a beaucoup évolué par rapport à ses espaces verts, par rapport à son urbanisme. L'avancement des parcs, garder un petit peu l'image forêt, et la faune et la fleur qui aujourd'hui est très importante à Saint-Étienne, c'est important de la garder aujourd'hui et de continuer à l'améliorer. On est une commune par rapport à d'autres communes qui est peut-être très proche des enfants et des personnes âgées. Quand on connaît la richesse de la forêt, quand on connaît la richesse du tissu industriel et puis la richesse du tissu habitants, parce que vraiment on est dans une authentique mixité sociale avec de plus en plus de progrès, de liens, de volonté que ce lien social et solidaire, je le répète, se développe. Alors pour 2013, je souhaite aux Stéphanais d'être toujours bien accueillis dans les structures municipales et de pouvoir faire de belles rencontres et de belles découvertes aussi bien à la bibliothèque, dans les centres sociaux, au conservatoire et dans tous les lieux municipaux. Bah bonne année à tous, meilleurs vœux et que 2013 soit une année riche en succès. Alors bonne année à tous mes concitoyens de Saint-Étienne, une bonne année 2013 et que ça continue comme 2012. Pour moi tout va bien à Saint-Étienne. Je vous souhaite une très bonne année à tous. Je vous souhaite une bonne année 2013 à tous. Pleine de santé, de bonheur et de joie. Je vous souhaite à tous une bonne année 2013, bonheur, santé, argent. Bonne année à tous, que ce soit nos élus, les habitants, les amis, tout le monde. Bonne année. Et meilleurs vœux à tous.